chien deux, petit chien dans un grand panier. Le plus petit est rouge, c'est mon préféré. Je ne connais pas ce monde qui m'appelle. Je reste avec toi dans cette vie nouvelle. Et je sais qu'aujourd'hui, nous nous ferons plein d'amis. À la bibliothèque. Yvan viendra te tenir compagnie. Ah, génial! J'adore quand c'est lui qui vient me garder. Pas vrai, Clifford? Oh, j'espère qu'il nous emmènera jouer dehors. Tu es d'accord, maman? On peut y aller? Mais oui, Emily. Profitez-en pendant qu'il fait encore chaud. Laisse, j'y vais. Oh non, comme cri bonhomme! Tu as entendu ça, Delphinette? C'est Yvan qui vient nous garder aujourd'hui. Ouais, c'est super excitant. Il faut que j'aille chercher ma balle tout de suite. Je parie qu'il va me la lancer tout l'après-midi. Oh là là, qu'est-ce qu'on va s'amuser. Ah, la jeunesse. C'est gentil de me garder, Emily, cet après-midi. Ah, c'est rien du tout, je vous assure. On s'éclate à chaque fois, Emily et moi. J'oubliais Clifford. Bon, allez, je me sauve. Au revoir, maman. Ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper d'eux. J'ai une super idée, si on restait ici tranquillement au frais pour regarder la télé. Dans l'appartement? Mais nous, on voudrait aller jouer dehors avec le jet d'eau. Ah. Je suis trop vieux pour jouer avec l'eau. Et puis, il fait bien trop chaud et... Ah. Waouh! C'est qui la fille en bas? Hein? Ah, oh, c'est Vanessa! Elle vient d'arriver dans l'immeuble! Elle est vraiment sympa! Ah, vraiment? Ah. Oh, eh bien, Yvan, s'il fait trop chaud dehors pour toi, on peut rester jouer à l'intérieur? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'adore quand il fait trop chaud! Allez, qu'est-ce qu'on attend? Génial! Mais il faut que je prenne mes affaires! Vas-y! Il n'y a pas de problème. Ouais, rien, Clifford. Oups. Tu viens jouer? Il fait trop chaud pour s'activer. Je vais m'installer tranquillement à l'ombre pour mettre mes oreilles au frais. Alors moi, je vais jouer au ballon avec Yvan. Je suis de tout cœur avec toi. Ah. Oh. Bon, ma chère Émilie,
Comment tu dis qu'elle s'appelle? Qui ça est? Oh, ne la montre pas du doigt. Ça ne se fait pas, c'est impoli. Désolée, elle s'appelle Vanessa. Tu veux que je te présente? Non, merci. Ce n'est pas le moment. Oh, oh, non, pas maintenant, Clifford. Yvan, s'il te plaît, tu veux nous brancher le jet d'eau? Le jet d'eau? Bien sûr. Voilà un bon moyen de vous occuper. Bien entendu que je serais ravi de vous installer le jet d'eau. Oh, oh, nom d'un petit bonhomme, voilà qui est bien plus amusant qu'un ballon. Donc, j'installe le jet d'eau juste ici. Ensuite, je branche le tuyau ici. Et enfin, j'ouvre le robinet comme ça. Et voilà, tadam! Hein? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, ouais. Clifford, lâche ça! Oh! J'ai une meilleure idée, je vais me faire quelques paniers de basket. Oh, le gros ballon, ça a l'air plus amusant que la petite balle. Pas maintenant, Clifford, je suis occupé. Et voici Yvan Tellier qui fonce à l'attaque. Il feint, dribble deux adversaires, se retourne et shoot. Et c'est le panier vainqueur! Dis, Yvan, tu veux bien que je joue au basket avec toi? Ah, ce n'est pas vraiment le bon moment, Émilie. Pourquoi tu ne continues pas à jouer avec Clifford au jet d'eau? Et revoilà Tellier! Il intercepte la balle, zigzag dans la défense. Il s'élance, il s'envole! Encore deux points! Yvan Tellier fait une véritable démonstration aujourd'hui. Hé, Clifford, fais attention. Hé, Clifford. Clifford. Oh, oh. Hein? Bah. Oh. C'est ça! Je vais faire du skate! Chacun sait que je suis le roi de la planche à roulettes! Hé, Yvan, je peux venir en faire avec toi? Non, pas maintenant. Plus tard, peut-être. Et c'est parti! Oh. Ouah, ouah. Pas maintenant, Clifford. Hop! Salut! Oh non, 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 je ne peux pas laisser passer une occasion pareille. Pas mal, non? Clifford, qu'est-ce que tu fais là? C'est trop dangereux pour toi. Là, ne t'en fais pas, je te tiens. Oh! Oh! Rapporte la balle, Clifford. Oh, oh. Hey, vous voulez bien que je joue avec vous? Bien sûr, Eva. Oh, mon pauvre Clifford, tu as tellement chaud. Eva, nous, on va aller sous le jet d'eau. J'imagine que tu n'as pas envie de nous accompagner. Mais si, pourquoi pas? Je n'ai plus grand-chose à perdre.
Salut. Bonjour Vanessa, je te présente mon copain Yvan. Salut Yvan. Bonjour Vanessa. Bonjour, je t'ai vu là-bas quand tu as rattrapé Clifford. C'était vraiment très courageux. Oh, c'était rien. Tu parles. Et puis tu sais, j'ai vu comment tu joues avec Emily. Tu t'occupes vraiment bien d'elle. En fait, pas toujours. Mais dans l'ensemble, on s'entend bien. Et puis avec Clifford, on ne s'ennuie jamais tous les trois. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est quoi ce livre que tu lis? C'est un livre sur un apprenti sorcier. Ah oui, j'ai lu les tomes précédents, mais celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Écoute, si tu veux, je peux te le prêter quand je l'aurai fini. Oh oui! Ça te dirait d'aller te balader avec moi? Oui! Mais il faudrait peut-être que tu ailles changer de vêtements avant. Oh! Je crois que c'est une bonne idée. Bon, à plus tard. Ciao! Ouais. Eh, hey, merci Emily. Merci de m'avoir présenté ta copine Vanessa. C'est rien, ça m'a fait plaisir, Yvan. Mais non, je ne t'oublie pas, Clifford. Allez, viens, allons nous rafraîchir. Ah.